Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je me propose de vous faire un adoucissant donc, pour la lessive. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, comme d'habitude, le plan de travail, bon, on ne va pas l'utiliser beaucoup, mais je le mets quand même puisque je vais poser tous mes récipients dessus. Et du coup, comme ça ne craint pas. Voilà. Ensuite. Donc, je vais avoir besoin d'un entonnoir. Donc, ça, parce que je vais faire la préparation en fait directement dans le contenant. Je vais vous le montrer après. Un fichet. Une cuillère. Alors, vous avez peut-être remarqué à force, c'est que je l'utilise tout le temps la même cuillère. C'est une des rares que j'ai dédiée à mes produits. Donc, voilà. Donc, comme je vous avais dit, hein, on essaye d'utiliser tout le temps le même matériel pour faire ça. On ne cuisine pas avec. Hein, voilà. Donc, ça, on va utiliser du vinaigre. Donc là, il m'en restait un petit peu dans ma bouteille. Donc, du vinaigre vraiment de base, hein, du vinaigre blanc. Du bicarbonate. Vous allez voir, on ne va pas en utiliser beaucoup. En bicarbonate de base également, hein, c'est le moins cher. Donc rien que là, on s'en tire pour allez, même pas 1 euro. Alors moi, je rajoute de la glycérine. Glycérine végétale. Alors je l'achète en plus grand contenant maintenant, pareil, parce que j'en utilise beaucoup. C'est pour adoucir le linge. Donc le vinaigre est déjà là pour ça, mais. Et le vinaigre, l'avantage aussi, c'est qu'il va détartrer votre machine. Donc, ça veut dire que vous n'avez même plus besoin de Calgon et compagnie. Donc, voilà, vous avez tout en un. Donc, la glycérine végétale va permettre d'assouplir, oui, votre linge. Donc, c'est pas mal. Et moi, j'utilise la lavande puisque c'est ce que je préfère, ou presque. Donc, lavande dans ma lessive, d'ailleurs, et dans mon adoucissant. Mais libre à vous de choisir autre chose. Sachez que ça touche quand même votre peau. Donc, faites attention, tout ce qui va être mandarine, citron, etc., c'est photosensibilisant. Donc, il ne faudrait pas que ça se dépose trop sur votre peau, etc. Mais généralement, il y a quand même peu de possibilités. Faites attention, voilà, aux huiles essentielles que vous utilisez pour désodoriser votre lessive et votre adoucissant. Moi, je prends la lavande parce que c'est aussi celle qui a le moins de. Enfin, voilà, il n'y a aucun risque, aucune contre-indication. Je sais que voilà, c'est pas évident de se rendre compte. N'hésitez pas à faire quelques recherches avant ou de revenir vers moi si vous avez des questions. L'adoucissant, moi je sais que ce qui m'avait le plus comment dire ça? Outré, oui, je dis souvent ce mot-là. C'est il y a presque 2 tiers d'eau dans un adoucissant liquide. Donc honnêtement, même si vous le payez pas cher. Ça chagrine un peu. Donc voilà, donc sachant le prix du vinaigre et du bicarbonate, enfin entre nous, je crois qu'il y a. Enfin voilà, vous avez compris à peu près le prix que ça va nous coûter. Donc je vais vous montrer. Alors, je tourne un peu la caméra. Attendez, je refais mon alcool que ça ne tombe pas. Alors, il y a quelques mois, j'avais essayé de faire mon adoucissant en plus grande contenance, c'est-à-dire dans des bidons de 5 litres. Sauf que. Bien, ça a moisi. Alors, j'avais pris un bidon transparent, donc ça explique sûrement cela. Mais disons que ça m'a un peu contrarié, donc j'ai survenu à un bidon d'un litre. Mais bon, vous savez qu'on fait beaucoup de lessive souvent, donc c'est quand même un peu embêtant. Donc là, avec vous, mais je vais faire un test. J'ai un bidon d'alcool hein, que j'achète sur Internet. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en fais des consommations astronomiques. Donc, on va essayer le 5 litres, mais je vais n'en faire que 2 litres et demi. Donc moi, ma recette, elle est pour 1 litre. Donc je vais multiplier par 2,5. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire avant de vous le dire. Donc voilà. Donc j'ai déjà désinfecté mon contenant. Faut le faire dans une cuvette. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je commence toujours par le solide. Donc pour notre contenance, il va nous falloir 4. Et demi, 4, 3, 5, pardon. 5 cuillères de bicarbonate.
Bon, si par inadvertance vous en mettiez une de plus, rassurez-vous, ça ne sera pas très grave. L'avantage des produits d'entretien, c'est qu'on n'est pas embêté avec ça. Ensuite, alors j'attends que tout soit passé parce que si je mets la glycérine, ça va être compliqué. Pareil, je vais en mettre 5. Attention que tout ne tombe pas, ça là il rentre pas dans ma cuvette évidemment. C'est un essai, je vous l'ai dit, d'habitude il est plus petit le contenant. Alors, je vais laisser ma cuillère comme ça, ça craint pas. Alors, donc, d'habitude pour un litre j'en mets 300, donc fois 2,5. Allez, il y en a qui suivent. Ça fera 700. Donc j'en profite pour rincer ma cuillère. Alors vous allez entendre. Entendez, on entend déjà les bulles. Alors je ne sais pas si ça va remonter jusqu'en haut. C'est d'habitude, j'en ai un plus petit. Donc peut-être bien que ça va rester comme ça. On va voir, je vais tout mettre d'un coup juste pour rigoler. C'est rigolo. Non, c'est même pas drôle. Ah, oh, oh. Il y a un peu les bulles quand même. Mais bon, ça débordera pas. Oh, c'est dommage. D'habitude, ça déborde. Bon, le prochain, je vous le referai dans un petit. Juste pour rire. Je suis un peu comme les enfants, moi, j'aime bien. Donc là, vous entendez, ça bue, hein. Donc dans un plus petit contenant, vous vous doutez que c'est un peu... Voilà. Et donc, normalement, on met 600. Donc 600, ça nous fait 1500. Multiplié par 2,5. Toujours que ça ne déborde pas, c'est mieux. Mais théoriquement, on est loin de ça. Oh oui. De toute manière, c'est même la moitié du contenant. Donc imaginez, le litre et demi, on est loin du bord. C'est bon. Oui, je regarde. Transparence. Oui, oui, on est là. Donc, on y est presque. Alors, ensuite, donc pour un litre, j'en mets, allez, 20 gouttes. Donc là, je dirais que 40, 50 gouttes. Alors, je vais vous épargner l'attente et vous montrer comment je fais quand j'ai pas envie de compter les gouttes. Je vais y arriver, inquiétez pas. Voilà. Je vous mets sur. Voilà, je suis revenue. Donc je suis allée chercher une pipette que je vais désinfecter. Hop. Voilà. Donc, quand j'aurai pas envie de compter les gouttes, quand ça commence à faire beaucoup de gouttes, alors vous allez vous rappeler vos cours de chimie. Donc là, j'en ai deux. Deux, ça fait quatre. Et encore un. Voilà. Donc là, j'ai 5 millilitres. C'est tout à fait ça. Ça suffira de toute manière, et même si ça fait trop, enfin quelque part, c'est pas gênant, honnêtement. Votre linge, il va pas forcément sentir beaucoup. 50 gouttes, ça fait pas ça, hein. Ça fait un millimètre, merde, pardon.
Ah, 1,5 ml. Donc, j'ai un peu exagéré, c'est pas grave, d'accord? Je vous promets qu'il n'y a pas de souci. C'est de la lavande. Moi, j'aime bien quand ça sent bon, donc c'est pas un souci. Ceux qui veulent pas que ça sente trop fort, vous mettez les 1,5 ml. Alors, un conseil, bon là, c'est un grand contenant, donc ça devrait faciliter les choses, qui n'a pas débordé, c'était même pas drôle, mais vous allez pouvoir le fermer. Mais quand vous avez un petit contenant, les bulles vont monter. Donc moi, par réflexe, je ne ferme pas tout à fond. La dernière fois que j'ai fermé à fond, ça a explosé dans le plafond. Donc, on va faire attention. D'accord? Ça bulle longtemps. C'est effervescent là pour l'instant. Donc, on le laisse. Moi, je le laisse comme ça quelques jours. Hein, puis, donc, je vous dis, c'est un plus grand contenant. Donc, normalement, d'ici quelques jours, je pourrais le faire. Surtout, si ça vous prend l'envie de mélanger avant, vous faites pareil. Hein, vous faites très attention. Ça risque même de... Voilà, dans un tout petit contenant, c'est même pas la peine. Hein, en 1 litre, votre truc, il... D'où la cuvette, hein, parce qu'on récupère ce qui sort dans la cuvette. Donc voilà, un truc aussi, vous n'allez peut-être pas avoir l'habitude, mais les parfums de synthèse que vous avez dans votre lessive et dans vos adoucissants sont durent longtemps. C'est normal, c'est des parfums de synthèse, ils sont là pour ça. Les huiles essentielles, c'est pas la même chose, ça dure moins longtemps, mais vous avez la sensation quand même que c'est présent quand vous bougez, quand vous vous mettez vos habits. Voilà. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, c'est plus pour que votre lessive sente bon. Voilà, tout simplement. Voilà, notre adoucissant est terminé. Donc, pareil, vous pouvez mettre une étiquette. Moi, je sais ce que c'est, puisque c'est chez moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc, mais pour vous qui débutez et que vous avez peut-être du monde autour qui ne saura pas ce que c'est, je vous conseille très fort de mettre une étiquette avec ce que c'est. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et à bientôt.